Le conseil de Ndoupou est un abus. Pourquoi? Parce que nous avons les enfants qui sont privés des informations. Ce que j'ai dit ici là, beaucoup ne connaissaient pas. Mais et pourtant, c'est les parents, beaucoup de parents ont vécu dans les villages, ils connaissent. Mais ils ne disent pas aux enfants pourquoi. C'est aussi un abus. Vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que c'est, du moins, comme on est allé à l'école occidentale, on nous a appris que nous aussi, les enfants, on a des droits. C'est comme ça que vous avez parlé aussi. Donc, pour dire que non, on a le droit aussi qu'on nous dise. On ne peut pas nous éduquer dans une société sans nous donner les règles de cette société-là. Et ce n'est que quand on fait des erreurs qu'on dit que tu ne savais pas ça. Mais qui t'avait dit que, qui t'avait. On nous envoie en mariage sans dire que, hey, fais attention, l'infidélité, ça peut faire ceci. Non, ne fais pas. Mais quand vous faites maintenant, vous avez un problème, on dit que, oh, comment vous faites le truc? Et c'est toujours. On peut se demander ce qu'est la qualité d'éducation, ça. Ou on apprend, et même parfois. On ne vous explique même pas forcément que faire comme ça. Si vous partez faire ce qu'on appelle les rituels, les formalités. Si vous demandez, mais pourquoi l'huile de palme? Pourquoi on met ça? Oh, fais seulement. Donc ce sont des abus que, bon, moi je considère comme abus. Parce que on voit donc que de manière consciente, on veut retenir les informations. Et alors, ce qui fait que l'éducation, c'est une éducation de servitude. C'est une éducation pour de servitude, de comment on peut dire, unterwerfung. Oui, parce que on t'apprend seulement à obéir. Respecte. Quand quelqu'un grandit en savant seulement que respecte, même si on te fait du tort, respecte. Mais on s'est adouci. Voilà pourquoi on a des nations comme ça là. On peut venir, quelqu'un peut venir, un policier peut venir là, tuer lui, quelqu'un là, comme ça, les gens. 1000 personnes le regardent comme ça là. Oui, les gens sont déjà d'éducation là. Et donc, ce qui fait que quelqu'un peut même venir, voilà, quand vous voyez peut-être la colonisation, vous pensez que c'était toute l'Europe qui était venue. Il y avait des coins, le Congo belge, si grand que c'est là. Pendant la colonisation, il n'y avait pas plus de 1000 officiers belges. 1000. Pour une population à l'époque de peut-être